Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, petit tuto slash explication mécanique. Ce que vous avez sous les yeux là, c'est un bas moteur de VFR800 de 2007. Ce moteur avait 150 000 km, je suis en train de le remettre en état. C'est pour ça qu'il est dans cet état. Mais c'est une bonne occasion pour discuter, essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Donc concrètement, aujourd'hui, on va s'intéresser à la boîte de vitesse. Là, ce que vous voyez, c'est le vilebrequin ici, en bout d'image, et la boîte de vitesse avec ces deux arbres-là, l'entrée de boîte ici, et la sortie de boîte là, là où vient se mettre le PSB. Donc concrètement, on va essayer quoi? De comprendre déjà comment les rapports changent dans une boîte de vitesse, qu'est-ce qui fait que quand on appuie sur le sélecteur, eh ben on se retrouve en première alors qu'on était au point mort avant. On va essayer de s'expliquer aussi 2-3 bizarreries des boîtes de moto. Concrètement, une boîte de moto, ça vous est tous arrivé, vous êtes au feu rouge, tranquille, au point mort, vous voulez passer la première, et là, clac, la première, elle passe pas. Obligé d'avancer la bécane, de la reculer, paf, la première, elle passe, celle-là, on l'a tous connue. Pareil, quand le moteur est coupé, on n'arrive pas à passer bien les vitesses, et on ne sait pas forcément pourquoi. Donc on va essayer de comprendre ça. Et on va faire un petit peu le tour de toutes ces pièces. Donc pour ça, on va commencer par démonter la boîte de vitesse ensemble, voir un petit peu quelles sont toutes ces pièces-là, etc. Alors déjà, dans le principe, ça c'est là d'où vient la puissance, c'est le vilebrequin. Elle est transmise par de la pignonnerie à l'embrayage qui se met sur l'arbre d'entrée de boîte. Donc c'est cet arbre-là, là comme vous pouvez le constater, on est au point mort. Cet arbre-là, il contient plusieurs pignons, 6. En l'occurrence, et on a un arbre secondaire ici qui transmet la puissance à la chaîne et qui fait au final tourner la roue. Allez, c'est parti, on se démonte tout ça. Alors concrètement, le démontage, une fois que le moteur est ouvert comme ça, c'est ultra simple. Vous prenez l'arbre d'entrée, vous le soulevez, il sort. Je fais super gaffe parce que les roulements ici, ils se démontent facilement et j'ai pas envie de remonter toute la boîte à partir de zéro. On va poser ça là tranquillement. L'arbre de sortie, pareil. Hop, on le soulève, il sort. Et on va le poser là. Il est un peu plus lourd celui-là. Ok. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On voit ici les fourchettes de sélection. C'est elles qui auront pour boulot de faire bouger nos différents pignons et d'engager du coup nos différents rapports. Donc on va les sortir. Donc là en dessous, on a une pièce un petit peu étrange qui est notre tambour de sélection. Donc ce tambour, on voit qu'il y a des... Comment ça s'appelle? Des encoches, on va les appeler comme ça. Des pistes en fait, qui viennent s'engager dans nos fourchettes de sélection. Là, si je prends une fourchette, on voit qu'on a un petit plot ici qui va pouvoir s'engager là-dedans. Et concrètement, la fourchette, quand le tambour va bouger, elle va se déplacer de droite à gauche. Elle va suivre en fait la position de ce tambour de sélection. Donc là, imaginons qu'elle soit ici. Je vais la soulever un peu. Si je tourne le tambour, tac, elle va se retrouver décalée un petit peu vers la droite. Si je rebouge mon tambour, elle se retrouve décalée à gauche. Donc c'est ce mouvement-là qui va nous permettre de sélectionner nos vitesses. Ok. Donc ce tambour, il peut faire des tours, on voit que ça fait bouger le sélecteur. Hop, il est un petit peu dur. Voilà. Il n'a aucune limitation, on peut faire 45 tours avec. Il ne s'arrêtera jamais de tourner. Donc concrètement, ça n'est pas lui qui fait que quand on est en première, on ne peut plus descendre, ou quand on est en sixième, on ne peut plus monter. C'est un autre système qui fait ça. C'est tout simplement, sur nos fourchettes de sélection, le petit plot ici. Voilà, si je me mets là, quand il va arriver en bout d'encoche, il va buter. Et une fois qu'il bute, eh ben forcément le tambour, hop là, le tambour ne voudra pas aller plus loin vu que cette fourchette, elle est sur son axe. Donc finalement, l'arrêt à la sixième ou à la première, c'est géré par les fourchettes. Voilà. Allez, je vous descends de là-haut. Et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté du sélecteur pour comprendre comment ce tambour, eh bien, quand on appuie, ça le fait tourner
précisément, à chaque fois, de la même quantité de mouvement. C'est pas forcément naturel, et on va aller regarder comment tout ça est fait. Alors, je vous ai amené de l'autre côté du moteur. Là, ce qu'on voit là, vous connaissez déjà, c'est le sélecteur et son entrée dans la boîte de vitesse. Donc là, je l'ai remonté pour les besoins de la démonstration. Et on voit que notre sélecteur, il nous permet de faire tourner notre tambour de sélection. Donc ce sélecteur, lui, il bouge toujours d'une quantité de mouvement bien précise, et ça fait toujours tourner le tambour d'une quantité de mouvement bien précise. Alors, on a vu que cette pièce-là suivait le mouvement du sélecteur, elle bouge de droite à gauche. On va enlever tout ça. Si tu veux bien sortir. Voilà. Ok. On va s'intéresser un petit peu déjà à cette pièce-là. Donc cette pièce-là, si je la retourne, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'on a un gros ressort ici qui est quand même assez costaud. C'est lui qui va permettre de ramener notre sélecteur dans la position par défaut. Donc on va tirer ce ressort par là ou par là en fonction du sens dans lequel on pousse, et lui va nous ramener le sélecteur dans l'autre sens de façon bien logique. Ok. Ici, donc cette pièce était comme ça. Ici, on a deux petites pattes qui vont venir s'engager dans l'étoile ici. Et c'est ces petites pattes, quand on va bouger notre sélecteur, ça va s'appuyer sur les plots qui sont sur l'étoile. Et ça va pousser le petit plot. Et du coup, ce plot va nous faire tourner notre étoile. Voilà. Et une fois qu'il est passé, quand on ramène le sélecteur, il passe au-dessus du plot suivant, et quand on va repousser, on va pousser de nouveau un plot et faire un mouvement. Hop, je vais le mettre de côté. Ici, en bout de tambour de sélection, on voit notre étoile de sélection, avec ici une petite roue, et un ressort, encore une fois, assez balèze, là je ne peux pas le bouger à la main. Et ça, c'est ce qui va permettre de bouger précisément notre sélecteur et notre tambour de sélection. Concrètement, à chaque fois qu'on va vouloir tourner, voilà, notre petite roue va se retrouver de nouveau dans une encoche, et ici, on est assez stable, ça ne bouge pas des masses. Donc super, ça nous permet d'avoir une quantité de mouvement précise, et de sélectionner nos rapports. Le point mort, je pense que vous l'avez déjà compris, sur notre étoile de sélection, qui a 6 encoches pour nos 6 rapports, on en a une pointe qui est plus petite. Et si j'essaye de l'engager, hop, elle se met dedans. Donc concrètement, ça c'est notre point mort. Il est entre la première et la seconde. C'est pas vraiment une position habituelle, du coup, il est entre pile poil entre deux rapports. Et quand on est en première, si on appuie fortement, tac, on passe tout de suite en deuxième. C'est pour ça que quand on le recherche, on fait un tout petit appui sur le sélecteur pour le trouver. Là, je suis bien dedans. Ok, parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est remonter notre sélecteur. On va remonter nos fourchettes de sélection sur notre tambour, les mettre dans le bon ordre. On va remonter nos arbres de boîte de vitesse. Et on va essayer de regarder, donc on va partir du point mort, et on va essayer de comprendre comment ces mouvements-là, donc de fourchette, vont permettre d'engager des rapports. Allez, c'est parti, je remonte ça. Ok, alors avant de remonter les arbres dans la boîte de vitesse, on va faire un petit focus dessus parce que c'est important pour comprendre la suite. On a vu tout à l'heure que nos arbres, donc là c'est l'arbre d'entrée, ils ont deux roulements, 6 pignons chacun, et ces pignons ne sont pas tous égaux, hein, forcément en taille, hein, sinon s'ils étaient tous égaux en taille, on n'aurait qu'une seule vitesse même quand on les change. Par contre, c'est surtout ça, on en a qui sont solidaires de l'arbre, quand on essaye de les faire tourner, ils font tourner tout l'arbre, et on en a qui sont libres, celui-là, il tourne librement, aucun problème, il n'entraîne rien. Celui du milieu, on en a deux qui sont reliés ensemble. Eux, ils ne sont pas libres. Et on a à l'intérieur une encoche. Cette encoche, c'est la fourchette de sélection qui va venir rentrer dedans et qui va nous permettre de bouger notre pignon
de droite à gauche. Celui-là est libre et celui-là est fixe. Ok. Donc, tout un tas de complications. Mais surtout, ce qu'on peut voir, donc, c'est que nos pignons fixes, ils viennent s'engager dans les cannelures qui sont dans l'arbre. Ils peuvent bouger dessus, hein, ces cannelures sont régulières. Et surtout, ils ont des protubérances, on va les appeler comme ça, qui viennent, quand ils bougent, s'engager avec les autres pignons. Donc là, j'avais un pignon libre, j'ai poussé ce pignon-là, et d'un coup, bah, c'est plus un pignon libre, il entraîne tout mon arbre. Si je pousse dans l'autre sens, bah, ce pignon redevient libre, et maintenant c'est celui-ci qui va vouloir entraîner tout l'arbre. Donc là déjà, on comprend un petit peu comment les fourchettes de sélection vont permettre de sélectionner, puisqu'on a vu qu'elles permettaient de bouger de droite à gauche, et elles vont permettre d'engager les pignons dans les différents pignons libres qui vont pouvoir après entraîner. Là déjà, on peut se rendre compte de quelque chose. Quand on passe un rapport en moto, on entend un claquement à chaque fois. Et en fait, ce claquement, il vient de ça. Là, il faut s'imaginer que cet arbre, il est en train de tourner à la vitesse du moteur. Et ce pignon, lui, bah, concrètement, il est libre à l'heure actuelle. Donc, il n'a pas forcément une vitesse égale à celui-ci. Il n'a même très certainement pas une vitesse égale à celui-ci, puisque il n'y a rien qui l'entraîne. Et donc, quand on va venir l'engager, ce pignon-là tourne très vite, celui-là est libre, et forcément, quand on va l'engager, ça va cogner ici, et c'est le claque que vous entendez quand vous passez le rapport. Pareil de l'autre côté. On voit que ça claque. C'est ça qui explique le craquement lors du passage de rapport. Et si vous entendez un craquement long, bah c'est tout simplement que vous avez appuyé trop lentement et que votre pignon, il vient taper sur le bord ici de l'engagement. Et donc forcément, à chaque fois qu'on en a un qui passe, on entend un petit claque, ce qui fait le crack du passage de rapport. Voilà. On va prendre ces arbres et on va les remonter dans la boîte de vitesse. Alors, on est revenu dans la configuration de tout à l'heure. On va remonter nos arbres et on va essayer de regarder la mécanique dans son entier sur le passage des rapports. Parfait. Donc là, on est au point mort. Hop, et j'ai de la graisse partout sur les doigts. Voilà. Donc, on est au point mort. Notre vilo, il peut tourner, il entraîne l'embrayage. L'embrayage est embrayé. Et pour autant, on n'a pas de mouvement. Donc concrètement, si on regarde ici, on voit que notre pignon, contrôlé par la fourchette, il n'est pas engagé ni d'un côté ni de l'autre. Donc, il ne se passe rien. Ça, c'était les pignons libre sur l'arbre de sortie, et donc forcément aucun mouvement n'est transmis. Alors si je lâche, forcément ça tourne un petit peu de temps en temps parce que y a un peu d'huile, y a un peu de friction, mais malgré tout, voilà, très peu de quantité de mouvement. On va appuyer sur notre sélecteur et vous devriez voir, si je me souviens bien, celui-ci, non celui-ci, qui va venir s'engager dans ce pignon-là. Voilà, exactement. Donc là, même test, je maintiens. Donc on voit qu'on a quand même un peu de mouvement, le fameux claque dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, par contre, ma boîte de vitesse, quand le moteur tourne, entraîne ma chaîne. Ok, on va se remettre au point mort, lui devrait revenir au milieu. On voit qu'il a des dents ici aussi, mais elles ne vont pas aller s'engager dans ce pignon-là. Enfin, si je loupe pas le point mort. Voilà. Donc là, je suis de retour au point mort et je vais passer la deuxième. Donc je vais lever mon sélecteur et je devrais voir ce pignon-là qui va aller bouger vers là et s'engager dans ce pignon-là. Tac, parfait. Donc là, je suis en deuxième. Oui, alors forcément, ça tient pas bien, mais ça entraîne bien mon arbre. On va passer la troisième. Donc je soulève. Hop, troisième passé. On va passer la quatrième. Et là, on est sur un phénomène qui est plutôt bien connu. C'est le rapport qui passe pas et le fait qu'on ait besoin de bouger notre roue.
Là, concrètement, si on regarde un petit peu partout, on n'est pas du tout en face. Là, notre pignon, il voudrait s'engager dedans et il vient buter sur l'autre téton en fait qui dépasse du pignon. Et là, on voit que quand j'ai bougé, ça s'est remis dans une position qui va bien et on a passé notre rapport. Voilà. Et là, on est en sixième, on est en butée. Allez, 5, 4, 3, 2, point mort, première. Voilà, notre moteur, enfin notre boîte de vitesse plutôt, parce que le moteur il est encore très très loin d'être remonté, j'allais raconter une connerie. Notre boîte de vitesse, elle est remontée. On a vu un peu tout le système de fonctionnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à mettre ça dans les commentaires. J'y répondrai alors. Par contre, je ne suis pas sûr de pouvoir vous refaire un épisode avec la boîte de vitesse ouverte. Hein. Forcément, je vais essayer d'avancer un peu sur le moteur. Mais je vous répondrai dans une autre vidéo qui suivra sur le VFR. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez appris des choses tout autant que moi. En tout cas, moi, j'avais jamais vu de boîte de vitesse ouverte à ce point-là. J'étais tombé sur des schémas. Mais c'est quand même pas la même chose, hein. Quand on voit un schéma, on n'a pas la notion du mouvement des pièces de la boîte directement, on se rend pas compte du frottement qui vient se faire entre les différentes dents, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, enfin voilà tout le truc habituel. Et à bientôt peut-être pour un autre épisode.